Salut camarade, c'est Homewrecker. Alors, on m'a demandé de faire un autre deck. C'est un suiveur hein, qui en a un petit peu ras le casque de voir la méta actuelle avec ces jeux japonais qu'on voit beaucoup et aussi les decks allemands avec cette fameuse doctrine. Donc, je suis parti avec un jeu anglais-finlandais. On va essayer de récupérer des cartes. Jouer avec beaucoup de cartes garde. Bah, écoutez, je vous propose de voir la liste de cartes maintenant. C'est parti. Alors, mon idée hein, pour contrer, ouais, c'est deux decks. Hein, voilà, avec la doctrine côté allemand et puis côté japonais, bah, surtout ce fantassin 1-3 qui fait 2 points de dégâts hein, quand on joue un ordre. Déjà, c'est de jouer avec des contre-mesures. Et je trouve celle-ci justement bah, excellente. Hein. Premier sur place. Hein. À la fin du tour ennemi, ajoutez un cinquième brigade sur votre ligne de soutien avec plus un pour chaque unité ennemie. Hein. On peut considérer que ces deux decks de la méta, voilà, ça joue quand même pas mal d'unités. Hein. C'est des jeux quand même aggro mid-range. Donc ça peut avoir une on peut avoir une grosse unité garde bien buffé sur la ligne de soutien et en plus hein, avec retranché, j'en joue que deux exemplaires, hein, ça lui donne plus 3 d'attaque, fureur et récupération. Voilà, donc je suis parti sur un système de récupération de cartes. Ça peut être cool aussi hein, d'être voilà l'arroseur arrosé, hein, de pouvoir récupérer justement cette unité 1-3, ce fantassin, et puis après bah, c'est lui qui se prend des dégâts quand il joue des ordres. Donc voilà un petit peu l'idée. Hein. Donc on y va pour la liste de cartes, hein, donc retranché en deux exemplaires, voilà j'en ai parlé. Des élus Sa Majesté pour aller choper une élite, hein, ça peut être bien. Cette unité garde, hein, voilà, pas mal d'unités garde hein, pour protéger le QG, hein, parce que voilà, ces jeux aggro, bah, faut faire face. Hein. Donc, moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle se buff de plus un lorsqu'une unité ennemie est ajoutée, déployée ou détruite. Donc voilà, si on, bonne combo avec un tapis de bombe par exemple, hein, elle va se buffer derrière, ça va être sympa. Donc c'est une carte spéciale en deux exemplaires. Les fusillés, toujours intéressant de les avoir en début de partie, hein, et ça se buff si on joue des ordres. Ça c'est une carte spéciale en deux exemplaires. La 5ème brigade, j'en joue que deux, il n'y a rien à dire. Flegme, bien sûr, j'ai quand même pas mal d'unités garde en deux exemplaires pour piocher. Un seul piège glacial, faut faire des choix. Bon, c'est aussi une contre-mesure. Convoi HX en deux exemplaires. Bon, j'ai coupé la poire en deux, hein, entre les convois HX et Flegme. Le Kitty Hawk, ça peut être bien aussi. Il y a des jeux aussi bombardiers. Et ça permet aussi de liquider quelques unités terrestres. Donc, premier sur place, bien sûr, là je joue en 4 exemplaires, c'est important. Bataillon détaché. Donc ça, on peut récupérer cette fameuse unité japonaise 1-3 grâce à celle-ci. Hein, c'est une unité spéciale en 2 exemplaires. La mort blanche, bien sûr, hein, parce que bah, pour pouvoir neutraliser tout ce beau monde. Ouais, en 2 exemplaires, carte spéciale. Ça récupère cette unité élite, vous connaissez aussi. Régiment d'infanterie 4-6 pour 4, ben, les unités qu'on va récupérer, on va les buffer de plus 3 qu'on va les déployer. Sincèrement vôtre hein, pour piocher et récupérer des points de vie. Un Spitfire, ça peut toujours mettre la pression en début de partie. Ensuite, nous avons ben, Ox and Bucks, hein, c'est pareil, hein, ça récupère et au déploiement, on inflige 2 points de dégâts à unité ennemie. Un Sexton pour paralyser, immobiliser, vague après vague, ça peut nettoyer. Tactique Moti en 2 exemplaires pour récupérer. Par exemple, des gros bombardiers, ça peut être bien. Un Churchill pour tout renvoyer, pour faire battre en retraite. Deux tapis de bombe pour nettoyer aussi. Et un co-belligérant. Alors, unité, mais je l'aime pas trop en fait. Hein, parce que moi, j'aime bien jouer avec des nouvelles cartes quand je fais des decks. Et là, j'avoue que j'aime pas trop hein, cette unité garde. Elle est là. Le régiment d'infanterie 2, côté finlandais, 4-6 pour 5. Garde, récupération. Vos unités récupérées détruisent toute unité à laquelle elles infligent des dégâts. Enfin, j'ai préféré ne pas mettre cette carte et privilégier plutôt Tactique Moti. Voilà. Bah écoutez, hein, on lance les parties, on enfile les bottes et bah, on va voir ce que ça va donner. On va voir si on chope cette méta. Idéalement, hein, donc les Allemands, les Japonais. Et moi, mon avis personnel, hein, c'est elle est assez. C'est pas comme avant, hein, ouais, avec les pourritures de moisson là. Ouais, japonais, ouais. Alors bien sûr, là je suis Field Marshal, hein, ça veut pas dire forcément que c'est la méta. Hein, parce qu'il y a des joueurs qui testent, des nouvelles idées. Bon, japonais, ouais, donc ça on vire, ça aussi, ça aussi. Ça éventuellement tour 3, non, je prends pas de risque. Ça peut aller très vite. Voilà. On commence et tour 2, j'ai ça. Allez, go. Ça se goupille pas si mal la main de départ. Toujours la pensée en fonction de justement de cette méta. Allez, on pioche. Bien.
On a une barre blanche, on peut attendre encore un petit peu, gentiment. On va pas attendre si longtemps que ça. On peut jouer ceci. Ouais, bien joué. On le voit souvent à ce bombardier, hein. Ça permet de piocher quand on le dépasse. Bonne combo. Ouais, là, c'est embêtant, hein. J'ai 5, donc on y va, on fait une mort blanche. Et toi, je te récupère. Cool. L'arroseur a arrosé, comme on dit. Tiens donc. Ça, faut s'en débarrasser, les amis. Sans plus attendre. On peut rejouer ça ou non, je vais faire un premier sur place. Ah, il capitule, terminé. Allez, ça commence. Allez, 4700e. On continue. Pour insister. Alors, cette fois-ci, ah, on a encore du Jap. Et on est gâté. Alors, la main est bonne. On garde retranché, ça peut être utile. Si on monte rapidement sur la ligne de front, ça peut être bien. Ah, Val Bobby. Ouais, de l'avoir en main de départ, celui-là, c'est quand même abusé. Abusé. Bon, bah, je vais le sacrifier lui, hein. J'en ai un deuxième derrière. Ouais, ça, vraiment. Ok, allez, on débarras. Dis pas que t'en as un autre. Ah, c'est terrible ça. Ouais, là, il y a danger. Là, ça va trop vite, mes amis. Bon, je vais faire ça. Hein. Je peux me permettre derrière. J'ai sincèrement vous. Non, mais c'était bon. Hein. Bon, je vais avoir une grosse. Ouais, 11 points de vie. Hein. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Allez. J'espère qu'il n'y a pas de quoi gérer. 5e brigade. Pas pour l'air. Ouais. Ok. Très bien. Voilà, un petit peu refroidi. Toi, tu voilà. Ça comme ça. Sais pas quoi faire. On va jouer ça.
On peut faire ça. Le bloquer ou ouais, on va le bloquer. Ah, ça lui fait des pertes, c'est bien. Bien, s'il te plaît. Ah. Mais voilà. Puisqu'il avait dans la main. Allez, encore un autre. À dégager. Allez, de l'allemand maintenant. Le fait de récupérer ces unités, je pense aussi à au soldat 1-3 hein, qui fait 2 points de dégâts quand on joue un ordre. C'est quand même cool. Non, c'est du russe. Donc la main, ça on enlève. Ouais, le fait de commencer, je garde quand même. Allez, camarade. Camarade Popov. Allez, on va le booster un peu. Allez, carte bouge, c'est bien. Ah bah tiens, on parle du loup. Quand on parle du loup. Hein. Allez, donc faut faire attention à ces 2 points de dégâts par-ci par-là, ça va vite. Donc ça, c'est pour ça aussi que je joue des contre-mesures. Prenez. Ok. Ah, voilà une mort blanche. C'est ça que je joue ça aussi. Ah, joue-en un troisième, tiens, mon ami. Alors par contre, si je joue ça, ça va se déclencher. Hein. Donc, on va plutôt buter. Hein. On va jouer un piège, pas de cristal, mais glacial. Je pourrais m'en débarrasser. C'était l'idée, hein. Là, ça va être je tape et je fais la mort blanche. Ouais, être déçu, notre ami. Ok, allez, on va prendre 2 points de dégâts. Après, si je peux récupérer ce Bobby là, ce serait cool. Alors, est-ce que tu tapes? Bien joué. Ouais. Donc, lui, voilà, je vais pouvoir le récupérer. Des points de dégâts encore. Ok. Bon, on y va. Je peux pas faire ça, mais non. Allez, ceci. Et on le joue ici. Je le joue tout de suite, hein. J'aurais pu jouer ça d'abord, mais non.
Ça coûte 2, ben, on va le buter, hein. Bataillon détaché. Donc là, faut il faut qu'il joue des ordres hein, pour pouvoir l'optimiser. Hein. Ça comme ça. Hein. Après, bon, s'il fait une faucille, on n'en parle plus. Hein. Voilà, il se prend 2 points de dégâts. Il tape ici. Ok, c'est très bien. On va jouer un ordre, non? On y va. Allez. Boum. Merci. Et là, on va piocher des cartes. Okay. C'est bien, c'est pas un jeu japonais, mais voilà, cette carte-là, on la voit partout. Il y en a joué 3. Ouais. Ok. Très bien. On va jouer ça. Je vais monter ceci. Et monter là. Jouer ça. Encore 2 points de dégâts. Il a fait le café. Hein. Ok, ah, il a perdu des points de dégâts pour rien. Ça buff le finlandais. Ok, marche. Gagner des points de vie, je pense qu'il faut mieux. Voilà, donc on joue ça et on compte. Voilà, il tape 2 fois. Victoire, je termine à 15 points. Allez, ça c'est fait. Bon, bah écoutez, ça enchaîne bien quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai volontairement coupé pour essayer, j'espère, trouver un deck Doctrine de l'éclair côté allemand. Si c'est encore du japonais. Prendre hein. Alors non mais c'est encore du russe. Bon, on, de toute façon on est dans la continuité hein. Donc ça pour l'instant ça m'intéresse pas. Et tiens non, c'est peut-être le même joueur non. C'est peut-être le même joueur, j'ai pas fait gaffe. C'est un joueur asiatique. Bon, bah écoutez. C'est pour ça que c'est intéressant, je répète, hein, c'est contre-mesure. Hein. Ok, attention. La mort blanche. Bon, on y va, on fait ça. On va voir s'il va la buffer tout de suite. Et là, il n'a pas de faucille à jouer. Il n'a pas de faucille à jouer enfin, sur une de mes unités. Hein, ça. Ah bah voilà. Là, on va faire la mort blanche. Hein. Donc là, c'est tout bénef. Hein, je me prends une 5-9. Et derrière, on joue la mort blanche. Allez. Ça dégoûte. Hein. Ok. Ouais. Bien. Ouais. Ah ouais, hein. Et mes amis. Allez, hop. Dégoûté, faites dégoûté. Tapez là. Ah, ça va être compliqué pour lui là. Hein.
C'est le même joueur, hein, c'est exactement le même deck, hein, la carte près. Tiens, alors voilà le bobby. Comment je pourrais faire mon truc? Ouais. Je vais faire ça. Si, on va préparer les gros dégâts. Là où il viendrait avec son tank. Ok. Ouais, très bien. J'ai encore envie d'attendre un tour. Est-ce que je fais remonter? Ouais, on fait remonter. C'est pas grave, il va le rejouer, mais... m'embête un peu, si je fais la combo, ça me fait comme 4 points de dégâts. Hein. Ouais, donc on va le buter d'abord. Ok. Tape ici. On joue ça là. Donc là, ouais, je vais récupérer quand même pas mal de points de... Je suis qu'à 10 points de vie, hein. Ah bah ça, bon, j'ai ça derrière. Donc on va prendre une élite. Le Wellington. On y va. 4 points de dégâts. Tu peux même avancer. Donc, il récupère points de point de vie. Monte à 19. C'est bon, moi je peux remonter à 16. De toute façon, voilà, il joue. Il va piocher une carte par une carte. Je vais regarder après si c'était le même joueur. Je vais aller faire un rembobinage. Donc, on a un avion Führer. Pas de risque. Allez, on tape. On tape. Si. C'est good, c'est good. As-tu la parade avec tes deux cartes? Je pense pas. Hein. Ah non. Tayo. Bon, bah, ça enchaîne, hein. J'avais coupé, mais oh, tiens, un pack. Allez, Américains. Ouais, ça me fait peur aussi, les Américains. Hein, avec les outrages. Alors. Ça, c'est pas mal. Allez. Ok. Donc, normalement, ça part pas à 100 à l'heure. Ouais. Bon, on va voir si j'ai eu raison de mettre les tactiques moti là. Sauf que la plupart ils ont blitz. Donc c'est un peu embêtant. Donc ça gagne du crédit. Ça, la bombe atomique, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, debout et uni. Voilà. Pas sympa. Ben, je vais prendre ça plutôt. J'en mets deux. Si je peux choper les retranchés, ça peut aussi aller vite de mon côté. Hein. On joue que deux, parce que je trouve que passer deux, ça alourdit trop le deck. Hein. On peut se retrouver avec des retranchés sans carte garde, donc... Allez, on va avancer les deux. Non, on va en avancer qu'un seul. D'ailleurs, on met la pression avec ça. J'en ai parlé, c'est intéressant. Tour 4, là c'est 5, mais... Donc ça va être sa cible prioritaire. C'est terrible.
C'est terrible. Votre histoire. Ouais, mais j'ai pas grand-chose à jouer, hein. Je vais faire ça. Je vais avancer et on tape. Là, j'ai eu le Spitfire, mais derrière, il a eu la réponse avec le Mustang. Hein. Il a eu de la chance. Ouais, ça c'était prévu au programme. Très bien. On y va, on se pose pas de questions. C'est trop dangereux. Sachant que j'avais plus de cartes en soutien de mon QG, donc. Ouais, pas cool. Oh là 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 là. Purée, ça y va, hein. On va faire ça. Et rien de plus. Ouais, là, allez. Bonne main, hein. Votre ami. Voilà, ça y est, ça commence. Bon. Me dirait l'autre, on est mal barré. Et on fait rien de plus. Là, j'ai. Ouais. Je vois pas comment je vais m'en sortir. Ça va faire trop de dégâts. Problème, c'est que si je renvoie son Glamour Boy, je peux regagner. Oh. Et en plus, il a assez pour attaquer. Ça va, mes amis. Bon, alors. Ça a chier. Ça au moins je peux le buter. Et on va buter ça aussi. Et ça reste trop fragile. Bon, je peux mettre une 4-4, mais c'est ces decks-là qui me font plus peur en fait, hein, dans la méta. Ouais, très compliqué l'histoire. Très compliqué. On va récupérer ça. Ça peut me donner des points de vie. Et les élus Sa Majesté. Et on reprend un Sexton. Oui. Même si s'il a un bombardier, ça va pas faire grand chose. C'est ça le problème. Si je joue un bombardier Blitz. Ok. Intéressant. Donc là, on joue ça. On va monter. On joue ceci. Et je serais d'avis de monter également. On est remonté à 12. Ça va faire une mort blanche, mes amis. Mort blanche ou le problème, c'est que je fais une mort blanche, il va revenir. Je le bute d'abord, hein, celui qui est. Ouais, ouais, je bute ça, de toute façon. Je vais plutôt faire ça. Là, et on tape. J'aimerais bien avoir les élus de Sa Majesté. Une dit, attention à la bombe atomique, trage. On va sortir le bombardier, mes amis. Bah voilà. Non, c'est sincèrement vôtre, les îles Sa Majesté, mais non.
Allez, hop. Et là, on y va. On se fait pas prier. On tape. Faut bien récupérer lui là. Ouais. On va le récupérer. Gagner des points de vie. Bon, je lui bute au prochain tour. Aïe, ça dépend de. Voilà. 5, 9, 13. Ah là là, là 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 là. Il est pas mort, notre ami. Il est pas mort. Par contre, je préfère assurer le coup, hein. On fait ça, je joue ça, et on fait 14 points de dégâts. Alors, le fait d'avoir récupéré les Glamour Boys, ça m'a quand même bien aidé. Ah bah non, ça c'est la parade finale, mais non, c'est une victoire, les amis. Allez, on est dans la continuité, là, j'ai coupé malgré tout, mais c'est à suivre. Allez, Cyrus. Alors peut-être encore un jeu à copier-coller. Est-ce que c'est un des mêmes joueurs? C'est Jackie, non. Alors Jackie, on va pas garder ça pour lui. Et c'est... Ouais, bon, bah, premier sur place... Attention, il y a aussi quelques decks. Ah, ok. Quelques decks aviation côté côté russe. Hein. Pas être sur nos gardes. Ouais bon. Bah, je savais pas que ce jeu faisait partie de la méta. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'air de poser voilà, pas mal d'unités. Donc on a la mort blanche, mais on va faire un premier sur place d'abord. On va faire la même. Allez, hop là. Ah c'est bon ça. Alors dites-moi si ce deck vous le voyez aussi de votre côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, tac mes amis. Bah, je pense qu'on peut, patienter, hein. On peut patienter, gentiment. Ah là 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 là. Ok. Scratch. Et j'espère qu'il a... Ouais. Allez. Manque de bol. Bon, on y va. Hein. Je vais prendre 2 points de dégâts supplémentaires, mais... Ok. Alors... Qu'est-ce que je fais? Là, il est quand même face à un mur. Oh, il canarde, il canarde. Très bien. Que fais-je? On va le bloquer pour l'instant. On va le bloquer, ça va buffer mon fantassin. Ouais,
Très bien. Allez. Jouer. Ah, il pioche. Il va encore jouer des bobies là. Ouais, on va faire ça. Cela. On va monter. Ouais, je vais ça. Là, je le bute, hein, mais. Ok, ça pas blitz. Ça là. Voilà. Très bien. Alors, ok, donc on y va. J'ai 9, 7, je vais ça. Hein. Non. Si. Allez, zou. Il abandonne. Localisé. Oh, c'est quoi ce dos de carte? Ah, du Jap encore. Bon, le fait de commencer, déjà, ça me rassure un peu. Ouais, c'est pas si mal. Le nombre de decks Jap qu'on a eu ou de d'alliés japonais, c'était assez impressionnant. Hein. Ok, bon. Il va se casser les dents. Est-ce que je joue ça? Ouais. On va voir s'il va taper. Pas sûr. Est-ce qu'il est prêt à sacrifier? Ah, c'est intéressant. Il tape. Voilà, bon débarras. Allez. On va jouer ça. Et on va faire un piège. Ah, j'ai passé, pardon, excusez-moi. Ouf. Sympa. Ça peut être sympa ça. Allez, on joue le piège glacial. C'est cool, ça peut buffer mon unité finlandaise. Voilà, c'est ce qui va se passer. C'est une excellente surprise. Derrière, retranché. Tiens donc. Allez. Oh, c'est pas grave. Hein. Là, mes amis, on y va. Hein. Je peux prendre des dégâts, mais ça en vaut quand même la chandelle. Hein. Allez. Est-ce que t'as la parade? Possible. Avec toutes les unités Blitz qui peut déployer. Bah voilà. Ouais, malheureusement, il a plus de crédit. D'ailleurs, je faisais un autre tranché. 13, je lui faisais 13 x 2, 26 points de dégâts dans les dents. Allez, bon, ouais, c'était encore rapide. Voilà, 2771. Voilà un deck qui tourne.
Ah, allemand. Allez, ce sera la dernière. On va voir si on tient la route. Ouais, ce sera pas avec ça. Je garde quand même sincèrement vôtre. Oh là là, la cata. Heureusement que je commence. Hop, une élite. Et... Oh la vache, qu'est-ce que je joue? Ok, ça commence. Alors, est-ce que je joue un premier sur place? Non, on va patienter un peu. Je préfère jouer ça, il avait plus de crédit. Ça se pop sans souci. On va piocher. Durant. J'ai pas gagné 6 points de vie, j'en ai gagné que 2. Ouais. Ouf. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai 5. Ceci. On tape ça. Va peut-être pas jouer unité. Il va taper d'abord. La doctrine de l'éclair, mes amis. J'ai pas pris un super départ, donc j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et voilà. Bon, là, il va me buter. Va commencer à jouer ses tanks. Ouf. Cool. Ouais. Alors. On va faire ça. Ok. On joue ça. Ouais, le gros bill, comment je vais m'en débarrasser? Purée de purée de purée. C'était ouais, pose une carte. Alors, et si on faisait la même? Et on tape. Et merde, pardon. Oh là 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 là, faut que je fasse gaffe avec ça. Ouais, bon. J'ai 10. On va tenter. Ok. Allez, hop. Ah, c'est joué. Qu'est-ce qu'il a dans sa main, lui? Ouais, doctrine défensive. Il y en a encore un baby là.
tente. Putain. Les brutes, hein. Bon, là, je peux y aller. Je peux taper. Purée. C'est pas possible. Il va falloir être usé. Ok. Qu'est-ce qu'il prépare, notre ami? Contente? Allez. Ah là 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 là. Faut être finaux, hein. On va taper avec le. Ouais. Ok, ok. D'accord. Ouais, bon. Mort blanche. Ça passe. Allez, c'est victoire. Ouf! Yes! Allez, on termine là-dessus. Et on est au classement 2400. Bon, voilà, camarade, hein, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, hein, c'était mon élément de réponse. Hein, c'est une idée. Hein. Bon, ça reste un jeu récupération, il n'y a rien de transcendant. Bah, dites-moi, en tout cas, vous, de votre côté, hein, que pensez-vous de la méta actuelle? Est-ce qu'il y a des decks qui vous gonflent un petit peu? Et bah, voilà, ça permet d'échanger un petit peu dans les commentaires. Allez, portez-vous bien, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.